Bonjour mes amis Vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 juillet 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone. C'est que par mail ou par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Concernant mes guidances privées, ça sera à partir du 18, d'accord, sachant qu'il y a quand même le 14 juillet. Et puis nous sommes en période estivale, donc je vais un petit peu freiner pour prendre aussi soin de moi et profiter aussi du soleil s'il y en a. Voilà, donc je vous le dis. Continuez à vous abonner à Claire de Soleil, donc à Caro. Vous avez ces liens sous mes vidéos, comme mes liens à moi. D'accord? Allez, on y va. C'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Nous allons partir avec l'oracle de la Lune, mes amis Vierges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous devez lâcher quelque chose, mes amis Vierges. Que devez-vous lâcher, surtout? On va le voir. Vous devez lâcher quelque chose et prendre du recul. Si vous vous inquiétez pour vos proches, ne vous inquiétez pas, ils sont en toute sécurité. Vous devez lâcher quelque chose afin de prendre du recul, afin de comprendre quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien de précis. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de décision, là, tout de suite, en tout cas, parce qu'on me dit que malgré cette embête, ce marasque, il n'y a rien qui est encore gravé dans le marbre. D'accord? Ouais. Peut-être qu'il va falloir un peu plus donner de l'amour dans cette situation. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Allez, nous allons partir avec l'oracle des prières. Fiez-vous à vos propres vibrations. Ne mélangez pas le cœur et la raison. Comment je peux dire? Faites attention à votre petit cœur. Et faites attention aussi à vos pensées négatives. C'est pour ça que le cœur et la raison, c'est super important. Là, dans ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Fiez-vous à vos vibrations. Point. Par contre, on me dit qu'il va falloir exprimer une vérité. Vous avez quelque chose à dire et il va falloir parler avec toute intégrité, surtout. On me dit que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'étudier. Et pour certains ou certaines, vous êtes prêts à sauter le pas parce que vous vous sentez prêt ou prête à partir peut-être sur une formation, sur quelque chose de nouveau. On me dit qu'il va falloir vous aimer, vous accepter. On me dit que vous avez des amis de confiance qui vous entourent, qui vous apporte énormément d'abondance, énormément de joie, de plaisir, de gaieté. Afin de reprendre quoi? Votre équilibre. Ok. Super le message. Allez, nous allons prendre trois cartes des artisans de lumière. Mirama. Faites une pause. On est dans la pause avec vous. Hein. Alignez-vous. Waouh. Ok. Alors, on me dit quoi? On me dit que vous partez sur un voyage intérieur de vous. Vous avez besoin de ressourcer l'intérieur de vous. Vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. On me dit que vous allez être appelé à énormément vous déplacer durant ce mois de juillet. On me dit que vous avez besoin de faire une pause. On me dit qu'entre travail et le sentimental, pour l'instant, pour certains ou certaines, c'est un petit peu compliqué. D'accord? Là, vous avez vraiment besoin de faire une pause, de vous rafraîchir. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin de vous purifier. On parle d'eau à chaque fois, là. Tout simplement parce que vous allez devoir vous réaligner avec vous-même. On me dit qu'il va falloir enlever ce masque, on me dit qu'il va falloir être vous-même. On me dit que maintenant, il va falloir être intègre, sincère. S'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, il va falloir le dire vraiment et réellement. Parce que là, il y a un masque qui est cassé, Vous devez reconstituer et l'enlever. Ou peut-être que tout simplement, vous n'y voyez pas clair sur quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre une pause. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous déplacer pour vous changer les idées. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. C'est pour ça que ceux qui me disent « Ah, faites voir les cartes !» Vous n'êtes pas médium, vous. Donc,
Moi, je ne vais pas interpréter la carte comme je la sens. J'interprète dans ma tête. Hein, c'est encore hier. Hein, vous faites n'importe quoi, on s'en fout de votre tête. J'ai supprimé le commentaire, aucun intérêt. La jalousie, il y en a de plus en plus. Hein, et puis c'est comme ça. Et c'est pas grave. Je m'en fous littéralement. Il n'y a plus rien qui m'atteint. Je pense que quand on a passé un degré de spiritualité, il n'y a plus grand chose qui nous atteint. Bref. Allez, on y va, c'est notre force, la spiritualité, la confiance en nous. Allez, on y va, mes amis vierges, on y va avec l'oracle psy. Hein. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah non. Non, non, on va faire dans l'ordre. On va partir du chakra du cœur. Donc ça, c'est le tarot psychique du cœur. Allez, pour mes amis vierges, c'est pour ça que je préfère qu'on commence par le cœur et pour finir sur l'esprit. C'est ma méthode à moi. Allez, pour mes amis vierges. Le chakra couronne. Votre chakra couronne, il tourne en boucle actuellement. Hein. Et surtout durant ce mois de juillet, c'est la carte 7. Hein. Durant ce mois de juillet, votre chakra couronne va vraiment tourner en boucle. On me dit ne perdez pas confiance. Ça. De toute façon, vous allez repartir sur un nouveau chemin. On me dit qu'il va falloir vous écouter. On l'avait tout à l'heure. Hein. Arrêtez de faire le cœur et la raison. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous, d'accord? Afin de repartir. Écoutez-vous. Écoutez vos envies, vos désirs. Actuellement, moi j'ai l'impression que pour certaines vierges, c'est d'écouter votre intuition pour partir sur la lumière ou chercher la lumière à tout prix pour partir sur un nouveau commencement. Ah ouais, mais vous avez peur de quelque chose. Okay. Quelque chose qui vous prend la tête. Hein. C'est sous chakra couronne. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Ouais. Pour l'instant, vous avez besoin d'observer une situation afin de reprendre confiance en vous aussi. Afin de travailler sur vos peurs. Aussi, on me dit laissez-vous porter. Il y a bien un nouveau commencement qui arrive pour vous. Écoutez-vous, laissez-vous porter, laissez faire les choses. On a bien la purification que j'ai dit tout à l'heure. Par rapport au chakra du cœur, vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Par rapport au chakra du cœur, là, vous fermez les yeux, vous conscientalisez les choses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et vous savez pas. Vous savez, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes complètement perdu. Vous refusez d'ouvrir les yeux sur une situation au niveau de chakra du cœur. Pourtant, on vous demande de vous laisser porter. Pour l'instant, vous êtes en train d'observer les choses. Mais c'est compliqué pour vous. Pourtant, le troisième œil, il est ouvert. Mais c'est... Moi, je vois un déni là-dedans. Je sais que je dois faire ça, mais je ne peux pas le faire. C'est pour ça que le moment de pause et de recul est nécessaire. Attendez, hein. Bien sûr, je prends un stylo qui crie pas. J'aime bien quand je mets des maîtres mots comme ça après la vidéo. Je sais tout ce que j'ai pu emmagasiner dans ma tête et après je fais le truc. Ben voilà, on est encore sur la formation, sur l'enseignement, d'accord? Allez où vous devez aller. Si vous devez comprendre des choses, si vous devez apprendre des choses, si vous devez enseigner des choses, allez-y. Allez-y. Cet enseignement est nécessaire pour vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vous voyez? Ah, il y a un enseignement qui est super. Ah ouais. Après, on me dit qu'aussi, il va falloir aussi apprendre la respiration. Ce n'est pas trop l'affaire. Sinon, on me dit que si ce n'est pas la respiration, on me dit que tout simplement 4-4. Waouh. On me dit que... Et tout simplement, vous devez vous regarder droit dans le miroir en disant « qu'est-ce que je veux ?» Vous savez, la thérapie du miroir est super belle, super excellente et super thérapeutique. On se regarde dans le miroir, on se parle à soi-même et le reflet de nos paroles sont très importantes puisqu'on s'entend. En se voyant, c'est vraiment une thérapie, enfin, ça fait longtemps que j'ai fait, on se parle à travers un miroir, donc on se voit. D'accord? Mais on se voit différemment. On se voit avec notre tête et notre cœur de l'autre côté. Ou avec notre conscience ou notre inconscient. C'est très très important. Donc regardez-vous dans le miroir et parlez-vous à travers un miroir. Afin d'aller chercher la compréhension que vous avez à faire. Afin de pouvoir vous ouvrir. Là pour l'instant, pour certains ou certaines, vous êtes dans le donner et recevoir. Donc on a les mains. On a l'enseignement. On me parlait de tout ce qui est magnétisme. Hein, tout ce qui est guérison. D'accord? Après, ça ne parlera pas tout le monde ce que je dis. Hein. Mais vous êtes sous contrôle. Il y a un contrôle.
Vous contrôlez trop les choses. Il va falloir peut-être vider votre chakra du plexus solaire. Il est très impacté. Hein. C'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. Hein. Ouais. Une fois que vous aurez vidé votre plexus solaire, vous allez pouvoir reprendre un épanouissement, mais pas avant. Votre plexus solaire, là, vous le contrôlez trop. La poubelle, ça, vous savez, la poubelle, elle est trop remplie. Il faut vraiment vider la poubelle. On me dit que là, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose parce que vous avez besoin de prendre un nouvel envol. Pourquoi? Parce que vous avez juste envie de vous changer les idées. Ça parlera ou ça parlera pas, hein? Allez, nous allons voir la chakra du cœur. Là, maintenant, on va dans le psy. OK? Allez, pour mes amis vierges. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous êtes dans le doute. Vous voyez? On revient. Pause, recul, doute. Voilà, pause, recul, doute. Alors, moi, je ne mets pas des titres. Waouh, super, exprès pour vous aller voir. Moi, je mets des titres réels. D'accord? Ça aussi, je voulais le dire. Non, vous êtes en doute, vous avez besoin de faire une pause. Non, mais vous voyez, le titre, ça sera ça. Hein. Parce que vous avez envie de prendre des risques maintenant. Et vous avez surtout une décision à prendre super importante pour vous. Pour lâcher prise sur quelque chose. On dit, écoutez votre petite voix à l'intérieur. En plus, mes amis, là, vous avez énormément d'intuition. Ben, allez sur votre intuition, parce que là, on part d'un nouveau démarrage hein, par rapport à votre intuition. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Hein. Au niveau professionnel. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que vous êtes en doute. Vous avez besoin de recul, de vous poser mille et une questions. Vous êtes prêt à prendre des risques. Cette décision, vous allez la prendre. Vous allez reprendre les commandes de votre vie au niveau professionnel par rapport à votre intuition. Mais pour l'instant, vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Donc, ça vous met en plein désespoir. Et vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Parce que là, à force de perdre du temps, vous brassez du vent. D'accord? Ou juste vous brassez du vent. Et pourtant, derrière, il y a une nouvelle vie. Vous savez où vous voulez aller. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête. Ouais, mais là, vous êtes épuisé, fatigué. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Hein? Ouais. Vous êtes en train de faire des compromis aussi. Des compromis amoureux. Vous êtes en train de faire des compromis amoureux. Ou des compromis avec l'amour universel. Des compromis avec l'amour inconditionnel. Vous avez besoin d'ancrage, on l'avait dit, hein, purification, ancrage. Ouais. Là, quitte à tout laisser, là, vous avez envie de déposer vos fardeaux et partir. Vous avez envie de prendre un nouveau souffle. Nouveau souffle, partir. Nouveau souffle. Un nouveau souffle. Pour un nouvel ancrage. Et ça sera une grande victoire. Ce départ pour aller réellement sur vos vraies priorités, ça sera une grande victoire. OK. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire pour mes amis vierges du 1er au 30 juillet, s'il vous plaît. Vous avez besoin de reprendre votre joie de vivre. On me dit tout ça, ça fait un moment que vous n'avez pas retrouvé votre joie de vivre. Et là, attendez-vous, il y a un changement qui arrive pour vous. Ce changement va vous amener sur une grande victoire. Voilà la victoire. Pour l'instant, vous faites des compromis. À chaque fois, on a la même chose. Vous faites des compromis, c'est la victoire. Il y a un changement. D'accord. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a des compromis à faire par rapport à votre propre santé ou la santé de quelqu'un qui vous entoure familialement. Ça peut être votre autre, hein, épouse ou chérie, d'accord? Ou par rapport à des enfants. En tout cas, vous attendez une réponse pour ouvrir une nouvelle porte. Parce que là, vous êtes trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Hein. Ouais, vous avez du mal à vous projeter là, actuellement. Hein. Pour certains ou certaines, vous vous posez la question si vous devez vous séparer de votre autre ou pas. D'accord? Je suis cash, moi. Parce qu'il y a trop de paroles. En ce moment, il y a trop de disputes, là. Ça commence à vous énerver. Donc, vous examinez la situation. Est-ce que je dois me séparer de cette personne ou pas? De votre autre.
Ça peut être par rapport à un enfant. Après, on dit qu'il y a énormément d'accusations entre vous deux. Hein. Peut-être que... peut-être qu'il y a des accusations entre, dans votre couple, hein, par rapport à... Oui, tu me trompes, peut-être tu vois ailleurs, je suis trahi. Voilà, hein. Accusations par rapport à ça. Est-ce que c'est réel ou pas? C'est à vous de savoir. Hein. C'est pas à moi. D'accord? C'est un tirage général. Hein. Donc du coup, vous vous mettez dans l'enfermement, ça commence à vous énerver, même vous gonfler certainement, d'accord? On me dit que là, il y a un retour à votre clairvoyance, vous allez ouvrir réellement les yeux, vous allez ouvrir les yeux, mais vous allez surtout vous protéger. Ouais. On me dit que là, vous avez eu du mal à dormir pendant pas mal de temps. Bon, c'est un peu logique, hein, là, on est mardi aujourd'hui et la lune, elle est encore ce soir. Hein, mais bon, on va s'en débarrasser. Hein. Jeudi, elle n'est plus là, c'est bon, on peut pouvoir souffler avant que la nouvelle, elle arrive, hein, d'accord? Bon, on me dit que là, vous rêvez de tranquillité aussi. Vous rêvez d'aller sur de nouveaux projets. On me dit que c'est une obligation que vous bougiez afin de reprendre votre équilibre. Vous, femme, ou par rapport à une femme, ou par rapport à un homme. Il n'y a pas de féminin masculin. Bon. On me dit que peut-être il y a un retour après une séparation amicale. Vous revenez vers cette personne amicalement. On me dit qu'il y a une renaissance amicale aussi qui arrive pour vous. Ou une naissance amicale qui arrive pour vous. Au sein de votre foyer, ou au sein de leur foyer. On me dit qu'il y a... et peut-être que votre autre, justement, vous culpabilise par rapport à tout ce que vous faites, toutes les sorties, les rentrées, les sorties, déplacements. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à toutes vos réunions, vous n'êtes jamais là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous travaillez trop. Peut-être que la séparation, c'est des engueulettes parce que vous n'êtes jamais là aussi. D'accord? Et si vous n'êtes jamais là, c'est parce que vous correspondez énormément par rapport à des contrats, par rapport à des clients. Ouais, c'est vous. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ouais, vous vous offrez des cadeaux, mais là, les cadeaux se sont arrêtés. On dit que vous avez besoin de lâcher prise, de prendre à distance, c'est carrément l'échec. Ouais, financièrement aussi, c'est pas cool. Hein. Ouais, vous lâchez prise, là. Hein. Mais, enfin, c'était pas cool, parce que là, on me dit que les choses vont revenir. Hein. Ouais. Et par contre, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous, là, par rapport à la famille. Beaucoup de jalousie, hein, ou alors vous êtes vraiment en triangulaire, hein, d'accord? Donc, vous prenez la distance, vous avez besoin de vous échapper, là, ouais. Vous prenez la distance avec l'amour, c'est pas compliqué, vous avez vraiment besoin de vous échapper. Et vous êtes en train de réfléchir à prendre un choix, de prendre une décision. En gros, alors c'est un truc de fou ce que je viens de voir. En gros, la balance dans votre couple, c'est travail ou amour? Puisque l'autre ne comprend pas, moi je préfère le travail actuellement. Ou alors vous êtes en balance entre l'amour et le travail. Mais en tout cas, au niveau professionnel, vous voulez avancer. Il est temps maintenant. En tout cas, par rapport à ça, il y a une chance. Et surtout, il y a une renaissance. Et si ce n'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants, tout ce que je viens de dire. Vous prenez ça comme ça vous parle. Ok. Nous allons prendre Begin. Donc, à Ibéine, vous partez à la découverte de quelque chose. Ah, ben la découverte, c'est une renommée. On parle de grand triomphe. Hein. Il y a une renaissance pour vous. Hein. Ouais, mais... Super, c'est tous les jours. Là, ça a un ton. C'est tout va bien. Quand on habite à la campagne, c'est tous les insectes arrivent. Hein. Alors, il y a une découverte. Il y a un grand triomphe. Là, il y a eu un accident de parcours. Mais vous allez trouver la solution pour ce changement. J'ai dit pour ce changement, je sors le changement, c'est un truc de fou. Vous allez trouver la solution pour ce changement. Attendez, je vais faire pause, je vais le sortir. Excusez-moi, je suis revenue. Donc, vous allez découvrir quelque chose. C'était triomphe, là, il y a eu un accident de parcours. Vous allez trouver une solution pour partir sur un changement. En plus, on va vous aider à aller chercher ce propre changement, votre propre changement. Parce que vous étiez dans l'infortune. Et c'est pour ça que là, il y a quelqu'un qui vous pousse aux fesses afin que vous soyez reconnu à votre juste valeur.
Ok. Ok, en ce moment présent, par rapport à votre union, il n'y a pas de renaissance du tout. C'est non. Votre hôte est devenu votre pire ennemi. Un truc de fou. Hop, 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 une carte par une carte, s'il vous plaît. Mmh. Ah, il y a beaucoup, vous discutez beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup de communication, mes amis vierges. Peut-être que vous allez manger à l'extérieur ou aller boire un verre à l'extérieur. Beaucoup de rencontres. Ouais, beaucoup de rencontres. Pas beaucoup de rencontres, mais avec un verre ou une table. Ouais. On me dit que là, vous attendez des nouvelles suite à énormément de communication. Par exemple, ça peut être une femme. Afin de partir en toute sagesse vers autre chose. On me dit que là, il y a énormément de méchanceté qui vous entoure. Ce qui vous fait vous ralentir. Donc, ce qui vous met en mode, je ne bouge pas, je suis pieds et poings liés. Mais vous êtes très intelligent ou intelligente, vous allez remettre la paix dans tout ce bazar. Et recommencer à vous faire plaisir. Mais le plaisir est toujours dans l'inconstance. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, le bonheur par rapport à un mariage. Le bonheur est là, mais il s'en va aussitôt. Une heure après l'autre, il y a des personnes qui changent d'avis ou qui ont un esprit en dents de scie. Oui, je veux bien et après, non, je veux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas l'heure après l'heure, c'est le jour au lendemain. On me dit que vous avez votre bonne étoile sur vous au niveau de l'amour. Vous partez sur une élévation amoureuse, mais il y a quelque chose qui vous rend malade. Moi, j'ai l'impression que mes amis vierges, s'il y a quelque chose qui vous rend malade, c'est qu'il y a un problème dans votre couple. Et peut-être que vous avez quelqu'un d'autre à côté ou quelqu'un en tête. Parce que là, il n'y a pas plus clair hein, pour moi. Parce que là vous avez l'étoile au-dessus de vous. Non, d'accord. Il n'y a pas de hasard. Vous avez votre bonne étoile au niveau amour. On parle d'une élévation amoureuse, mais là, c'est quelque chose qui vous rend malade. Alors, vous êtes en bisbise dans votre couple. Tout ça à cause du travail. Vous avez un problème, mes amis vierges, entre l'amour et le travail. Ça, c'est clair, net et précis. C'est les deux en balance. Hein. Ouais, amour, travail. Je les mets de côté pour faire votre titre parce que je vais rechanger votre titre. Oui, il y a bien un problème entre l'amour et le travail. Ouais. Là, c'est la ruine. Tout s'écroule. Mm-hmm. Tout s'écroule par rapport à votre santé. Vous ne savez plus quoi faire. Donc, du coup, vous vous entêtez, vous vous emballez, vous êtes très impulsif. Et hop, vous piquez au sol. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout pour vous. Mon bonheur, je ne sais pas où l'est. Tout est stérile. Je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement perdue. J'en ai marre des discussions qui ne servent à rien. Donc, je me retranche dans ma caverne, dans ma grotte. Je m'emprisonne. Et par contre, je continue à discuter avec des amis. Au sein de mon foyer. Parce que là, je suis en combat après moi-même dans mon foyer. Ou alors, il y a un procès, tout simplement. Un procès aussi financièrement. Il y a des choses à régler financièrement, peut-être aussi. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, les choses bougent. Les choses vont prendre du retard. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas si c'est au mois de juillet. Je ne pense pas trop. Hein. Ou alors, ça fait longtemps que ça a pris du retard. Les choses ont été bloquées. Mais en tout cas, sincèrement, il y a une réussite pour vous au niveau familial. D'accord ? Par rapport à tout ce qui vous a rendu malade, il y a une réussite. Alors que les choses étaient bloquées. Ça stagnait. C'est pour ça que vous êtes très, très impulsif. Ben voilà, pourquoi ? Si c'est par rapport à un procès, par rapport à la justice, il y a eu pas mal d'appels. De va-et-vient d'appel. Hein. Là, c'est bon, vous partez sur un nouveau départ. C'est la mort de quelque chose. Peut-être que vous partez sur un nouveau départ par rapport à un héritage aussi. Il y a un héritage qui est en jeu pour certains ou certaines. Ah oui, par rapport à un héritage où on vous l'a mis à l'envers. Trahison. Enfin, par rapport à un décès. On veut votre perte. En tout cas, vous allez vous bagarrer. Vous allez rester impulsif pour aller chercher ce qu'on vous doit et ce qui est ayant droit. Ok ? Ok, bon. Alors, peut-être qu'entre l'amour et le travail, il y a aussi des problèmes de justice. Parce que le travail, c'est aussi la réparation.
Ah, je vais changer vraiment votre titre. Allez, on y va sur l'amour. Nous allons prendre celui-ci. Non, non, non. Carte maîtresse. Je me souviens plus comment il s'appelle. Carte maîtresse pour votre tirage sentimental. Au bord de l'abîme. Ok, ça veut dire que là, c'est au bord de l'abîme, c'est en train de couler. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de couler. Hein. Ok, bon. Si votre couple va très bien, vous inquiétez pas, c'est qu'il va aller très bien, hein, ça va continuer. Hein. Si votre couple bat de l'aile, ben... après, ça reste un tirage général. Hein. C'est parce que moi, je dis ça que... D'accord ? Bref. Allez, on y va avec Love You. Ok. Il y a bien une triangulaire, ou alors, enfin, la triangulaire, là, bon, triangle amoureux, hein, d'accord? Regardez cette carte. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous pensez sans cesse à quelqu'un d'autre. Là, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Mes amis vierges, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Donc là, vous êtes en train de vous détacher de votre autre, parce qu'on a quand même la triangulaire, vous êtes en train de vous détacher de votre autre et lâcher prise. Vous êtes en train de vous détacher de votre famille. Ouais, on parle d'une belle amitié, mais on parle d'une amitié un petit peu ambiguë. Ambiguë. N'importe quoi. N'importe quoi. On parle d'une amitié, mais d'une relation ambiguë. Ambiguë. Ok. C'est une rencontre que vous avez fait via les réseaux aussi, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez un changement. Il y a une alchimie, une attraction avec quelque chose dans tout ce qui est zen. Dans tout ce qui est zen. Il y a vraiment une attraction avec quelqu'un. Ça peut être une personne qui fait du yoga, vous faites du yoga. C'est tout le bien-être. Hein. Il y a une attraction avec quelqu'un qui fait du bien-être. D'accord ? On dit que là, par rapport à votre passé, vous essayez de réécrire des nouvelles choses, mais c'est compliqué. On dit que vous sortez beaucoup, vous vous déplacez beaucoup. On dit que vous avez énormément de projets. On dit que vous avez été blessé par le passé. On dit que là, vous essayez de reprendre votre stabilité, reprendre votre équilibre. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Mais il y a quelqu'un qui est trop, trop jaloux ou jalouse autour de vous. Ou votre autre, hein, en l'occurrence, hein. Ah ben non, l'autre vous dit ben non, ou vous vous dites non, ben non, je suis pas jaloux. Non, ben tout ça, ça vous gonfle, hein, ça vous met dans l'instabilité. Irritation, irritabilité, instabilité, relations changeantes par rapport à mage. Donc pour certains ou certaines, hein, je parle au couple, hein, je peux vous le dire direct. Hein. Pourtant, c'est l'amour véritable entre vous. Oui, ben on me dit oui. Il y a trop de jalousie, quoi. Et on me dit que les choses vont s'accélérer. Il y a un changement rapide qui arrive dans votre vie au mois de juillet. Et vous allez vous sentir seul cet été. Et vous allez vous sentir seul cet été. Pourquoi ? Parce qu'il y aura bien une séparation. Bon, les couples, il y a une séparation. Bon, on avait le bord de l'abîme à la base. Hein. Bon, on a les couples. Donc maintenant, nous allons aller chercher les célibataires. On va prendre celui-là. Allez, nous allons aller chercher les célibataires vierges. Malgré ce tirage, j'ai pas l'impression qu'il parle aux célibataires. Mais bon, si je peux donner un message pour les célibataires, ce serait pas mal, quoi. Hein. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour mes amis célibataires, là, vous avez un choix à faire. Il y a des choses qui sont gelées. Ça fait longtemps que, pour certains, vous avez rencontré personne. Suite à une rupture, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une rupture avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Et là, vous êtes en train de réfléchir à énormément de choses. Vous finissez ce passé dans votre tête pour terminer ce cycle-là au mois de juillet. Waouh!
On me dit que vous êtes assez mature, vous êtes en pleine sagesse. On me dit qu'il y a une amitié sincère avec quelqu'un. Une amitié sincère avec quelqu'un. Dans cette amitié, il y a beaucoup de charnel, beaucoup de désir. On me dit que les messages qui sont envoyés. Alors déjà, comme j'ai l'homme et la femme, le grand-père et la grand-mère, obligatoirement, vous avez plus de 50 ans. Vous avez 50 ans. D'accord ? On me dit que vous avez des regrets, des remords. On me dit que vous appréciez énormément une personne en secret. Vous n'avez pas envie de lui dire « je t'aime » mais vous l'aimez. On me dit que vous attendez une élévation de cette relation qui n'est pas concrétisée. D'accord ? Parce que là, pour mes amis célibataires, vous rêvez de quelqu'un au niveau charnel. Vous avez tous les deux plus 50 ans ou allez à deux ans près. D'accord ? C'est une amitié, mais vous rêvez du charme avec cette personne et vous avez des remords et des regrets malgré un message que vous envoyez parce que vous n'avez pas à dire « je t'aime » parce que vous gardez secret en vous ce mot « je t'aime ». D'accord ? Mais vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Ou peut-être que vous envoyez juste un message « je pense à toi ». Pensez tendre. Alors qu'à la base, vous l'aimez cette personne. On me dit que peut-être vous réfléchissez à une invitation à venir. Ce qui vous ferait tourner la page sur un passé qui vous a fait mal. Mais là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Ou vous avez été bloqué. Hein. Peut-être que vous avez raté un coche à un moment donné. Hein. Peut-être que vous avez raté un coche parce qu'on me dit que c'est quelque chose du passé qui revient dans votre tête. Hein. Peut-être que vous avez raté un coche. Là, on me dit qu'il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire. On me dit qu'il y a eu une reprise de contact. On me dit qu'il y a une renaissance pour vous quand même hein, avec cette personne. Hein. Mais vous n'osez pas dire vos sentiments. Oui, parce que vous avez peur que ça répète les mêmes schémas que vous avez déjà vécu. Donc, vous restez patient. Vous êtes encore dans l'attente. Parce que vous avez besoin de guérir sur quelque chose. Et pourtant, c'est magique. Hein. Mais vous savez que si c'est magique maintenant, bah, c'est l'attraction que vous avez pour cette personne. Vous avez très peur que ça soit un amour éphémère. Et pourtant, ça pourrait être une relation stable. À vous de savoir si vous appuyez sur le bouton off ou on. Ouais, parce que là, vous êtes refroidi malgré un coup de cœur. Vous êtes refroidi suite à une séparation que vous avez eue. Bon. On était sur les célibataires. Il est 33 minutes. On va aller chercher si je trouve la triangulaire. Mais la triangulaire, du coup, c'était aussi avec les couples. Waouh. Au printemps, nouveau départ. Réseaux sociaux. Ah, une personne qui est rusée, qui vous l'a mis à l'envers. Ok. Parce que vous étiez trop dans la protection. Et des amis vous l'ont dit, oui. Vous ont prévenu de faire attention à vous par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On dit qu'il y a des messages qui ont été reçus. Il y en a la triangulaire. Sauf que vous étiez en triangulaire. Par rapport à un bélier, un taureau, un gémeau. Ouais, on me dit qu'il y a une personne fausse autour de vous. On me dit qu'il y a eu un traumatisme pour vous. Heureusement que vos anges gardiens sont près de vous. Vous vouliez... Ou la personne, l'autre, voulait réellement être... En gros, la personne attendait que vous quittiez l'autre. Ou c'est vous qui... Ou l'autre attendait que vous quittiez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? De triangulaire, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord ? En tout cas, là, vous êtes en plein doute par rapport à votre situation. Marie, c'est chaud bouillant au niveau charnel. D'accord ? Mais on me dit que là, la trahison a été waouh. Ouais, vous avez besoin de guérir de vos blessures. Ouais. Pourtant, vous pensiez réellement dans votre triangulaire que c'était là votre âme sœur. Mais là, vous reprenez votre indépendance hein, parce que vous avez compris rapidement que cette personne ne quitterait jamais son autre ou vous ne quitterez jamais votre autre. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'ai fait célibataire, couple et triangulaire. J'ai eu tous mes messages. Écoutez, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, tant pis, ce n'était pas un message pour vous. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser des commentaires. Je vous embrasse très très fort, mes amis vierges. Bisous, bye bye.